Salut tout le monde, ici Oboy John Samuels, yo, what's up y'all, je suis back man avec une nouvelle reaction et aujourd'hui man, je react à une demande spéciale d'un de mes abonnés man, Vol183, donc une super belle personne man avec qui j'échange puis qui écrit toujours des beaux commentaires man sous mes reactions, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, merci d'être là mon ami man, c'est toujours très inspirant de lire tes messages. De lire ce que tu m'écris, tout ça. J'adore tes commentaires, man. Donc, merci à toi d'être là. Et c'est ça, man. Il m'a fait une demande spéciale. Et j'ai décidé, man, d'y réagir. Donc, c'est ça, man. La track qu'il m'a recommandé, c'est 1984, Le pavé de l'enfer. Et là, j'étais comme, bon, 1984, c'est en lien avec quoi? Et j'ai cru voir, man, que c'était en lien avec le roman de George Orwell, 1984. Donc, 1984 est un roman politique dirigé contre les régimes communistes naissants au début des années 50 et à destination des lecteurs de l'Ouest. Dans 1984, Orwell dépeint une société totalitaire absolue, la réalisation la plus extrême qu'on puisse imaginer d'un gouvernement moderne. Donc, j'avais déjà entendu parler de ça, man, 1984 de Orwell, en tout cas. J'espère que ça a un lien avec ça, bro, mais je pense que oui, on va aller écouter la track, j'ai pas écouté la track, man, qui m'a recommandé, on va aller découvrir ça, mais c'est ça, j'ai entendu parler de ça, man, que c'est ça, dans le fond, tout le monde est genre complètement brainwash et comme des petits moutons, puis tout le monde obéit, man, à un gouvernement totalitaire, non, t'sais, donc, c'est ça, est-ce qu'on se dirigeait vers ça, man, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde? Je crois que oui, je crois qu'ils veulent nous emmener vers ça, mais est-ce que leur plan va fonctionner? J'en doute, man, j'ai l'impression que leur plan est en train de chier en ce moment, là, si on parle de comme tout globalisé, puis un gouvernement mondial, une monnaie, tout ça, blablabla. Je pense que ça va chier, man, je pense pas que ça va marcher, donc, et je ne veux pas, et vous voulez sûrement pas que ça marche non plus, donc, bref, on va aller écouter la track, man, ça a sûrement un lien avec ça, donc, let's get it, merci, man, à mon ami. Vol 183 d'être là. Et merci à vous tous aussi d'être là, man. On va aller écouter ça. Let's get it. John Simon's Reactions. N'oubliez pas de vous abonner à ma motherfucking chaîne YouTube, y'all, mon scène, pour plus de fun, plus de rap, plus de voix, plus de vérité. Et si vous voulez faire une donation, les liens sont dans la description. Merci de me supporter. Merci de supporter la chaîne. J'apprécie, man. On approche des 500 abonnés. On lâche rien. Let's get it, man. 1984, le pavé de l'enfer. RapAndRevenge.com. Ce pays est foutu, c'est moi qui vous le dis. Il n'y a plus rien à espérer. Oh shit! Ça commence mal, man! Aujourd'hui à la tribune, la politique française nous enfonce un peu plus. Ancre le malaise avec des promesses non tenues et des coups d'épée dans l'eau. Dès le départ, tu auras un pied dans le tombeau. Leur parti corrompu dans leur programme nous abattent. Mais leur grande place depuis toujours nous écharpe. La bonne résolution qui traîne en longueur. Rien ne s'améliore, l'austérité est de rigueur. À l'international, des peuples éradiqués sous nos regards médiatisés. Personne n'est affolé, autant d'impunité. Agissez les acteurs, les marionnettes de l'ONU dans le rôle de spectateur. Ne lève pas le petit doigt quand il s'agit de nous sauver. Car ici aucun bénéfice à en tirer. Alors les génocides ethniques se perpétuent. Voilà nos démocraties qui se prostituent. Damn! Wow, des grosses vérités ici, des grosses bars, man. Damn, bro. En tirer, alors les génocides ethniques se perpétuent. Voilà nos démocraties qui se prostituent. Old school, man, I like that. Boom bap. En tout cas, de ce que je vois, man, le clip, tu vois un gars qui s'enferme chez eux, man, qui boit tout, qui voit tout qui s'en vient, il voit, man, le, comme la propagande, la peur, les génocides, tout ça, man, il y a quoi virer fou, là, tu sais, c'est sûr, si tu focuses juste là-dessus, les théories du complot, si tu focuses, man, sur ce qui s'en vient, les affaires de nouvel ordre mondial, les complots mondiaux, tout ça, man, tu vas virer fou, man, donc, tu sais, faut trouver son équilibre là-dedans, tu sais, c'est bon de s'informer, mais faut pas trop tomber là-dedans, parce que sinon, man, tu vires fou, man, moi, tout, des fois, j'ai déjà regardé des documentaires par rapport à ça, puis j'ai le goût de virer depressed, man, puis juste voir la négativité autour de moi, mais il y a encore des belles choses dans la vie, faut se focuser là-dessus, bro, man, donc, tu sais, c'est même qu'on rayonne. On continue. Trop
chronique économique, catégorie des grands voleurs, compression d'effectifs et mépris des travailleurs. Dans une Europe en berne où se gavent les marchés, où ce sont des besoins dont nous allons profiter, où l'on entend parler de pouvoir d'achat, mais je ne vois que des gens sur le carreau, des dettes sur le dos qui ne joignent pas les deux bouts. Nous sommes littéralement traînés dans la boue. De nouvelles technologies dans une page de réclame pour oublier le drame de nos vies qui se poursuit. Noyer l'ennui dans le consumérisme, à fond dans la doctrine du pur élitisme. Acheter leur breloque pour prendre de la hauteur, se mentir à soi-même, courir après des leurs, se voiler la face avec un tas de gadgets. Mais ce dont nous manquons n'est pas une chose qui s'achète. Damn. Ce dont nous manquons n'est pas une chose qui s'achète. Man, ce que l'on manque, c'est pas une chose qui s'achète, man. Donc, le, tu sais, le partage, l'amour, la joie, ça s'achète pas, ça, bro, man. Donc, c'est... Damn, des grosses bars, un gros texte, man. On aime ça. Pour prendre de la hauteur, se mentir à soi-même, courir après des mœurs, se voiler la face avec un tas de gadgets. Mais ce dont nous manquons n'est pas une chose qui s'achète. Damn. Man, le gars est dans... Ah, c'est quoi? Il va faire une bombe, man! Oh shit, on dirait qu'il va faire une bombe, man! De sans logis, victime d'un rue d'hiver. Dixit la troisième page, rubrique des faits divers. Expulsion en masse, en temps d'oppression, où les innocents moisissent dans l'enfer des prisons. Manifestation qui tourne en bavure, violence policière, voici les ordures qui abattent et fracturent. Nos acquis sociaux, ils s'affairent à protéger les grands capitaux. Les plus fragiles se font licencier. C'est de bon matin qu'ils viendront te liquider. Immédiatement condamné sans se poser de questions sur la précarité de nos situations. Quand tes journées se ressemblent et s'enchaînent, qu'elles soient froides ou moroses, elles te feront sombrer sans aucune apologie. Des tueries dans mon récit, juste un autre angle de vue de la plutocratie. Sous le pavé de l'enfer 1984, les douleurs que l'on déterre. Oh shit, le gars il s'est suicidé, man. What the fuck? Damn, bro, c'est dark, man. 2583, bro, man. J'espère que tu veux pas t'enlever la vie, bro, man. On reste fort, tu sais, man. On reste fort, man. On lâche pas le combat, bro, man. Man, bro, c'est triste. Damn. 1984, bro, man. Damn. Bro, c'était intense, man. Donc, j'ai vraiment aimé le beat, man. Beat old school. J'ai aimé le rap, man. Ça dénonce, ça parle des gouvernements, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font, les médias, la police, man. Donc, ça parle de tout ça, man. Vraiment nice text, bro. Bien aimé la vibe. Il y a juste la fin, que c'est genre pauvre gars, man, qui se suicide. C'est quand même triste. Donc, c'est un peu dark, man. Mais j'ai bien aimé, man. Donc, merci à toi, votre 53, bro, man, pour... la recommandation de 1984, le pavé de l'enfer. Donc, merci d'être là, mon ami, man. Merci beaucoup. Puis, c'est ça, man. On va aller écouter d'autres rap. On va aller écouter d'autres vidéos, man. Merci pour les suggestions, tout le monde. Merci d'être là. On lâche rien, man. On se crispe pas dans une fenêtre, bro. On reste fort, ok? On lâche pas le combat, man. Faut faire confiance à la vie, man. T'sais, enlever la vie, c'est pas une solution, man. T'sais. Faut rester fort, Donc, on lâche rien. On reste fort, hein? J'ai une Simon's Reactions. Oubliez pas de vous abonner à ma motherfucking chaîne YouTube, y'all, non, pour plus de fun, plus de rap, plus de boys, plus de vérité. Vous voulez faire une donation, les liens sont dans la description. Merci de me supporter. Merci d'être là, tout le monde. On lâche rien. Let's get it. Prenez soin de vous. Peace.